Vous savez, c'est un grand combat. Y a cash na FCC. Le pouvoir n'est pas encore total dans la main du président Félix, comme je peux le dire. Il y a un contrôle Kabylie quelque part. Donc, alors, c'est un combat. La politique, c'est un combat. Nous prions qu'il y ait de la paix, parce que ce qui se prépare, ou peut-être ce que les politiciens envisagent pour le pouvoir, ils n'envisagent pas pour le bénéfice du peuple. Ils envisagent créer la guerre, ils envisagent tuer les gens pour se maintenir sur le pouvoir. Mais cela n'est pas social, cela n'est pas bon. Nous n'avons pas voté le président pour qu'il puisse nous maltraiter. Mais il y a un grand combat entre les CASH et FCC. Alors, par rapport à crash, pour moi, c'est un accident. Je peux dire c'est un accident. Accident tangoyaka, ou bien likambutangoyaka, il y a toujours des histoires derrière qui viennent aussi. Oui, surtout que naba média nabiso ba congolais, il y a trop de montages, na mensonges et belé. Alors, le président jamais a tambolagana. Comment est-ce qu'on va comploter pour Babouma président parce qu'il a l'avion présidentiel au Tambola-Kanango? Alors, tout kaka les ont dit, mais c'est un accident. Il y a les investigateurs au baso investigué pour bailler qu'est-ce qui s'est passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3fw.congofrance.com, merci parce qu'elle est nombreux en train de nous suivre à travers les mondes, à travers cette émission, tout sur la pour la Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Nakati Nakibonzambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis déjà de retour ici à Johannesburg, après moi, quelques jours, on a Durban. Je suis déjà de retour ici pour n'appeler ça bien, toujours information, tout cela, toujours. Makambu Yambo, vous savez bien, dans cette émission, c'est aussi pour vous. Souvent, les Congolais vivant ici, en Afrique du Sud, il y a Durban, il y a Cape Town, il y a Djobou, partout pour tout cela. Makambu Yambo, merci beaucoup. Dans l'association Adèle Yombo, Maman Oyo, apprenant à couler la balle, Bakama, apprenant à couler la trisomie, Baptiste, Bandundu, Maman Adèle Yombo, na Pessi Yombo, merci beaucoup. Batou pour soutenir yo parce que vous allez la Batou, Bakama. Je suis avec le président Lucien. Président Lucien, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Wenge. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes bien en forme. Nous sommes là. Merci beaucoup, président Kiawa. Après, président Jacques Kangoudia, oui, tout s'est passé bien. Le conseiller spécial, M. Jacques Kangoudi, il est venu ici avec une idéologie, un changement de mentalité que nous maintenons toujours au sein de notre communauté congolaise. Donc, c'est un combat que nous menons. Il avait dit que ce n'est pas facile pour changer la mentalité des peuples congolais, mais nous faisons l'effort pour y arriver. Merci beaucoup. Société civile, pour l'instant, vous avez c'est la finance pour vous stabiliser vraiment ma Kamboa dans Johannesburg. Je ne sais pas, après, à vous surveiller, quel est votre projet de société dans Bino Société civile à la partie de Johannesburg? Oui, merci. Je vais un peu synthétiser notre projet de société parce que cela bien présenté lors de l'officialisation. Mais sinon, nous avons comme impression et nous sommes déterminés à implanter la société civile. Premièrement, nous devons avoir un siège ici en Afrique du Sud, pas seulement à Johannesburg, mais aussi à Cape Town et quelques provinces. Oui, c'est ce que nous envisageons faire. Mais premièrement, nous allons nous installer à Johannesburg
nous aurons un siège de la société civile pour nous occuper de toute situation sociale que notre population est en train de traverser dans ce pays de l'Afrique du Sud. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, il y a ceux qui sont en prison et qui n'ont pas d'aide, même pas de visite. Il y a beaucoup de cas que nous envisageons un peu régulariser ensemble avec le gouvernement. En dehors de cela, dans les sièges que nous allons implanter ici, il y aura un centre de formation en informatique. Parce que ce que nous avons réalisé est que le Congo, notre pays, est un peu reculé par rapport à l'informatique, par rapport en Afrique d'ici. Oui, oui. Alors, nous voulons un peu aussi que notre peuple soit adapté à l'informatique, parce que ce monde maintenant est modernisé. C'est la technologie qui domine. Et je pourrais même dire que sans la technologie, la vie serait un peu difficile. Oui. Alors, nous devons aussi impliquer le peuple congolais dans la technologie, dans l'informatique, parce qu'il y a même en dehors de cela, nous les formons d'abord en informatique et nous allons les amener à un niveau de les former comme les entrepreneurs, c'est-à-dire les former à comment faire de l'argent sur Internet, sur le marché international. Oui, comment vous pouvez gagner de l'argent en faisant les trading sur Forex. Donc, nous avons vraiment ce projet de faire cela. Et en dehors de cela, nous avons aussi le projet d'implanter l'orphelinat pour un peu encadrer les enfants orphelins, parce que Bande Konabiso et Bélé, Bazokoufa brusquement ici dans ce pays. Alors, vous savez la difficulté, oui, alors nous voulons un peu aussi assister. Mais entre parenthèses, toujours c'est la Kakaba officialisé, mais nous travaillons déjà en collaboration avec quelques organisations sociales, Yamboka Oyotokutia, par exemple Family Future, Human Rights. Parce que avant d'arriver na makamunyo sur ko yebisa ko tangisa mutu koma ko trade, il faut d'abord mutu azala documenter. C'est-à-dire nous aidons processus nini mutu akoki kolanda po azo mukanda ya refuge na section vende ndenge sengami na mboka oyo. Soko déclarer yo moko keza en guerre outi na guerre na Congo okozo mukanda te ya ba raison ya race par exemple. Namboka na bino, peut-être tu es albinos, balinga ka ote namboka na yo, tu viens, oye ko senga refuge. Par exemple, raison ya sexe, o koza la PD, namboka na bino, balinga ka ote, peut-être namboka na ete, par exemple, le pays, le Zimbabwe, parfois, homosexuel n'existe pas là-bas, on les arrête, kima ka mingi, en Afrique du Sud. O kimi na raison, o ko senga mukanda, ko pesa yo. On va appuyer homosexuel, hein? Non, je n'appuie pas, selon la Bible, ce n'est pas normal. Je ne peux pas appuyer cela, mais c'est dans le cadre de demander le processus. J'essaie un peu d'expliquer le processus d'obtenir un document légal d'être réfugié, déclaré réfugié en Afrique du Sud, où il y a des raisons pour lesquelles vous pouvez formuler votre histoire, mais basée sur la loi sud-africaine. Oui, oui. Vous pouvez vous déclarer par rapport à la politique, mais ne dites pas qu'il y a la guerre au Congo, je fuis parce qu'on tue les gens. Dans ce cas-là, on va vous rejeter. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Monsieur Combrun, je suis avec le président Lycien. Président Lycien, par la présence de l'actualité, vous êtes congolais. Où vivra Awa, Nakati, à Félicie, par rapport à Crash ou Salami, na Goma, je crois, Fauteuil Obima, paraît-il, qui complot Moko, qui. Ça la contre président de la République, vous êtes président de la société civile, et quelle est votre réaction tant que Congolais, et vous pensez comment?
Bon, par rapport il y a crash, pour moi, c'est un accident. Je peux dire c'est un accident. Accident tangoyaka, ou bien likamutangoyaka, il y a toujours des histoires derrière qui viennent aussi. Oui, surtout que naba média nabiso ba congolais, il y a trop de montages, na mensonges et belé. Alors, le président jamais a tambolagana. Comment est-ce qu'on va comploter pour Babouma président parce qu'il a l'avion présidentiel au Tambola-Kanango. Alors, tout kaka les ont dit, mais c'est un accident. Il y a les investigateurs au baso investigué pour bayeba qu'est-ce qui s'est passé pour Krashwana et Salema. Nous remercions Dieu, comme il y a un peu de déception que le pilote est vivant. Donc, on aura un peu des informations pour savoir. Et l'avion a aussi à une boîte de mémoire. Oui, donc il y aura des informations, mais le son, seulement les ont dit. Pour moi, c'est un accident. Bon, les camions qui a disparu dans l'avion, ils doivent nous montrer des preuves qui a pris ça. C'est ce qui est là, parce que même vous, je peux vous demander, est-ce que vous avez des preuves que ce camion est disparu? Vous n'allez pas me dire que vous avez vu ça. Ce sont des on-dit, oui, des on-dit, oui. S'il y a crash, il y a les autorités qui se sont dépêchées là. Alors, s'il y avait quelques histoires dans l'avion, parce qu'avant que l'avion explose, on doit quand même dégager ce qui était dedans. C'est ça, ce n'est pas volé, ce n'est pas détourné. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à bah, militaire au Bayer, Trump a atteint bah, militaire pour la sécurité président Fachi et a doté cet hélicoptère pour la sécurité et a président. Bah, bien qu'on est bon, il a président cette société civile. Vous pensez, nous, nous avons un bon rapport. Vous savez, c'est un grand combat. Il y a cash dans la FCC. Le pouvoir n'est pas encore total dans la main du président Félix, comme je peux le dire. Il y a un contrôle Kabylie, quelque part. Donc, alors, c'est un combat. La politique, c'est un combat. Nous prions qu'il y ait de la paix, parce que ce qui se prépare, ou peut-être ce que les politiciens envisagent pour le pouvoir, ils n'envisagent pas pour le bénéfice du peuple. Ils envisagent créer la guerre, ils envisagent tuer les gens pour se maintenir sur le pouvoir. Mais cela n'est pas social, cela n'est pas bon. Nous n'avons pas voté le président pour qu'il puisse nous maltraiter. Mais il y a un grand combat entre les cash et FCC. C'est ce que je pourrais dire. Dans les prophéties, FCC va disparaître dans quelques jours. Là, ce sont des prophéties. Qui a donné cette prophétie? Pasteur Francis, Joël Francis, je crois. Là, ce sont des prophéties. Je ne sais pas si c'est biblique ou bien prophétique ou bien spirituel. Mais voyons voir. Nous ne savons pas parce que il fallait que le ministre de la Justice aille en Belgique avec le président, la délégation présidentielle, pour un peu signer quelques accords, parce que la Belgique, c'est le pays qui nous a colonisés. C'est un pays qui devrait quand même aussi s'opposer par rapport aux accords qui devraient être signés pour un peu sécuriser notre président et tout ça. Avez-vous déjà remarqué que les gardes-corps, le monsieur là, les géants, les noirs là, qui était derrière Kabila, c'est celui qui est encore derrière Tshisekedi. Oui, donc la même personne qui gardait Kabila, c'est la même personne qui est encore derrière Tshisekedi. Donc rien n'a changé encore au Congo. Oui. Il existe toujours. Il est là, oui, il est en train d'opposer, il s'oppose. Le président honoraire. Non, il s'impose en tant que sénateur, il s'impose sur la justice, sur l'armement du pays. Il veut être au contrôle de l'armée, c'est simple, tout le monde le sait. Selon les rumeurs, Kabila prépare la routine politique à comment on est homme d'affaires. Là, c'est selon les rumeurs, mais la réalité peut-être c'est tout autre. Je ne peux pas confirmer sur les rumeurs.
Okay. Merci beaucoup, sur le président Lycien, ici le président des sociétés civiles, ici à l'Afrique du Sud. Parlons à présent de la gratuité de l'enseignement au Congo. Le premier ministre Aloba qui est toujours à cofinancer en gratuité d'enseignement. Mais malgré Moïse Katou, tout le monde marche salamaki, mais le professeur va avoir un salaire qui est comme un mot. Il est dit que y a mon amour tout le bas, y a ma bébé tout le bas. Bon, vous savez, toujours féliciter dans nos gouvernements pour n'avoir pas don au azoka bai pas batu. Mais comme conseil, le gouvernement aussi, il faut avant que ça la badon sous, il faut peser que t'as la paie budget, ouais, pour qu'il n'ait pas bamakele le oyo to comme comme on a nanzela. Payer les enseignants, nous voulons étudier. Alors, le gouvernement doit prendre charge de sa responsabilité de payer les enseignants afin que les enfants étudient gratuitement. D'ailleurs, nous saluons cette initiative. C'est bien parce qu'ici, en Afrique, il y a aussi de ces pays et de ces écoles-là, les Sud-Africains étudient gratuitement. Oui, c'est pour le bénéfice de nos enfants, pour leur avenir. Nous félicitons cela, mais le gouvernement doit payer les enseignants. Merci beaucoup. Nous allons vers la fin de cette émission. Un message par rapport à tout ce qui a suivi cette émission partout dans le monde. Oui, je salue ma présidente nationale de la société civile, la députée Maman Magui Kiala à Kinshasa. Je salue aussi le président provincial du Haut-Katanga, le président de la société civile, Monsieur Charles Kaïté Ngoï, je vous salue aussi. Le président de l'ONG, la Solidarité, Monsieur Bouchard Kisula Ngoï, et tout celui qui est en train de me suivre, nous vous saluons. Vous allez prendre nos numéros, c'est le +27 71 0 222 560. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin qu'on vous explique comment est-ce que vous pouvez obtenir un document à partir de l'homme à faire. Il y a un processus à suivre. Alors, si vous avez besoin qu'on vous explique comment est-ce que vous pouvez obtenir, parce que ce qui nous manque d'obtenir les documents auprès de l'homme à faire, parce que nous n'avons pas de l'information, comment est-ce que je paye. Donc, nous pouvons vous expliquer le processus, comment est-ce que vous pouvez obtenir. Pona ba oyo ba kufeli mibali ba oyo baza ba handicapé ba oyo baza capable ya kosala te, nous pouvons vous référer na Family Future oyo ezali na numéro 87 de Côte Street na Brafontaine. Eza na même bâtiment oyo eza na Human Rights, eza même bâtiment Human Rights eza na 4e niveau. Family Future est en 6e niveau. Vous pouvez aller là-bas, Nangunda Nayo, Soko Salagate, Soko Za handicapé. Vous pouvez aller là-bas, expliquer votre cas. On peut vous aider, Kofute la cabine rent, Kozadlo Kakolia. Donc, on va vous aider. C'est comme ça que nous travaillons d'abord en collaboration, en entendant que tout a implanté, mais quand même, nous travaillons en collaboration avec ces organisations qui existent déjà ici. Donc, vous avez besoin de nous. Il y a les numéros que nous vous avons donnés, les 0027 71 0 222 560. Vous nous appelez, on va vous expliquer en large. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était là le président Lycien. Nous sommes ici à Johannesburg. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission, tout sur la peau d'un Congo, qui était présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto. Atona Nakati Nakibunzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup à Maman Adèle Yomo, Nakati à Paris. Maman Adèle Yomo avec l'association Naye, Alia Kanabandoun, de Batrizomi, Bachek, Gibano, Babouaka, Mamandima, Kouvana Bango, Kouna Koulia, Nabango. Merci beaucoup, Maman Adèle Yomo. Et merci beaucoup, na restaurant Nima, à Orana Kata Djibou, na Yoville, au Tunga restaurant Nima, place au Maman Congolais, Alia Kamamamamamam, Kitoko. Merci beaucoup à la raison, c'était Béni Roumé. Merci beaucoup, l'artiste est votre. Merci beaucoup encore, l'assistance à numéro de la reine. Merci beaucoup encore à maman. Mon restaurant, c'est un bois qui ne dépasse tout ça. Maman Karine, ah ouais.
restaurant du Toronto pour ça qu'on bien moi le corps mais là nous sommes arrivés à la fin de cette émission la soupe à la Baïsara et l'eau nini ici la raté tout comme la soupe à la émission à Bissot d'ici là portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.